Je suis de Dakhla, mais je suis du monde entier. I'm American. Je viens de la Côte d'Ivoire. L'océan Indien. New Delhi, India. From the Pacific Island. United States. Guinée. Japan. In Argentina. Sri Lanka. Saudi Arabia. Dakhla, c'est la ville universelle. From the Republic of Palau. In Monte Carlo. From El Salvador. La République démocratique du Congo. Indonesia. From Bhutan. Du Sénégal. Paris. From Malaysia. The Canaries. Au Cameroun. Togo. Australia. Et Lima, Pérou. Dakhla et du Sud. Si vous êtes au Maroc, ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans l'un des rares pays qui, dans les tempêtes, maintient son cap. Le but de ce forum est très simple. C'est une plateforme démocratique. Nous sommes heureux d'être ici parce que, très modestement, à notre manière, nous appuyons et nous contribuons à faire savoir au monde qu'il existe non seulement des miracles sur le plan économique comme Dakhla l'est, mais il existe aussi des voies qui permettent de gouverner un État d'une manière paisible et d'une manière progressiste. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Afrique représente, je pense, le plus bel espoir pour un monde qui est en plein bouleversement, parfois en perte de repères. Et je dois dire que nous avons trouvé ici au Maroc une réelle vision. Une vision qui doit pouvoir inspirer de nombreux pays dans le monde. Le miracle africain est en marche et qu'incontestablement, le Maroc en est devenu une réelle boussole. It's always good to come to Morocco. This is, in many ways, the crossroads to this region of the world. I'm also glad to be in Dahlia, a flower blooming in the desert. It's the crown jewel of this place. L'afro-pessimisme est derrière nous maintenant. L'Afrique bénéficie d'un attrait particulier parce que pour une fois dans son histoire récente, elle a même pu maintenir un niveau de croissance économique honorable. Un pays comme le Maroc est très avancé et déjà, à mon avis, installé dans les premières loges de cette émergence de l'Afrique. J'ai besoin de connaître le monde et les problèmes africains sont peut-être, ont peut-être des solutions que je pourrais implémenter en Afghanistan. Et donc c'est pour ça que je suis venue pour connaître l'Afrique, mais aussi de venir à un congrès où beaucoup de gens viennent de toutes les parties du monde et de l'Afrique surtout. I think that Africa needs a different image and that by organizing events like this, it will definitely change the image. We have to be here in order to understand that there is also a huge possibility for the whole continent to develop, to go in a good direction. More than 1,000 people from all over the world are here, speak together, talk together, have a real dialogue, not just monologues speaking about their own topics, is an important contribution to the mutual understanding. Je suis émerveillée. Et j'essaie de tirer vraiment profit de cette rencontre internationale. Et je pense qu'à la fin, tout le monde va partir plus riche et plus responsable pour notre destin commun. On dit
en Europe que le Forum Transmontana va devenir le Davos africain. Je pense qu'ils ont raison, tous ceux qui le disent. C'est une autre façon d'aborder les contacts et nous aimons beaucoup ce Transmontana Forum pour cet aspect-là, qui est plus humain qu'un business forum. C'est une ville extrêmement attrayante, particulièrement par ses sites, désert, eau, océan, les sports, tout le sport nautique et tout. Et avec Transmontana, effectivement, ça nous a donné, ça fait connaître un peu plus Dakhla. Là, maintenant, nous avons autour de 130 pays représentés. C'est extraordinaire. Certainement, vous avez vu dans la première édition de Transmontana Dakhla comme il était. On va vite vers un développement durable et considérable. $18 milliards seront investis. Ceci est un énorme financement. Dakhla aujourd'hui est une destination connue. Je salue les efforts qui ont été déployés par votre équipe Transmontana, car elle joue un rôle très important pour faire connaissance de la ville de Dakhla, de ses potentialités. Here at the Transmontana Forum, I was invited to speak on what the religious leadership can play a role in finding solution to ecological imbalance, especially. J'ai jamais vu relier religion, éducation et environnement, et pourtant, c'est tellement vrai. À cause des changements climatiques, certains pays, comme a dit Monsieur le Président, risquent de disparaître. Et je n'oublierai jamais votre représentant, le représentant de Tuvalu, qui disait à la COP21, « Sauvez, si vous sauvez Tuvalu, vous avez sauvé le monde. » We can share our problems. It's easier in the Transmontana Forum. We can listen to what our problems are. We had a very, very long flight from home. To here, you know, it almost took us about 2 days to get to here, you know. But we feel that it is important to come here to the Transmontana Forum, you know. This will be the first time that we have the opportunity to talk about the situation in the Pacific Islands. We have never met before. That's why it's important for us to meet. And also, we as black countries, we have to share what we have in terms of our common issues, in this case, climate change, ecology, environment, and other issues. I'm hoping that our session with women, African women, will result in us making a plan to see how do we get women more involved in politics and in government issues. If you educate a man, you educate an individual. And when you educate a woman, you educate a family and a nation and a village. And the whole society is educated. Et nous sommes là pour construire un réseautage, pour avoir un partenariat, être accompagnés et permettre à nos femmes, aux femmes de Guinée, qui réussissent aujourd'hui à connecter les grandes dames leaders et les femmes des communautés pour arriver à ce que les femmes accèdent plus aux postes de prise de décision, qu'elles soient moins pauvres et qu'elles soient mieux impliquées dans le développement durable de leur pays. Women are indispensable to the holistic development of our countries. I thank you.
je trouve que ces femmes sont porteuses d'espoir. Justement, votre forum permet de mettre en lumière ces femmes-là dans une liberté totale. Je trouve ça plutôt bien. Nous l'avons dit, le miracle africain est en marche. La ville de Dakhla fait la démonstration que là où il y a une volonté, toutes les réussites sont possibles. Et je pense que cet espoir est avant tout incarné par la jeunesse de tous les pays qui sont représentés ici par nous. Pour moi, ce n'est pas une victoire, mais c'est le début d'un challenge. Très honoré parce que j'ai plus l'impression aujourd'hui d'être ce fil qui tissera, je pense, le tissu économique du futur. I'm so happy that at least people could see my efforts around Africa and what we've been able to create in the past few years. I did enjoy being here. We'll be taking this back to the Commonwealth of Dominica, and I dedicate this honoré today to my country, Dominica. So now the vessel is in a voyage and trip from Dakhla to Casablanca. The vessel speed is 21 knots and a capacity of passenger of 2,660. I think that the biggest danger is the ignorance and the idea that we know very well everything about each other, which is of course not true. And I really enjoyed sharing ideas, experience, debating. On considère l'Afrique comme un seul pays, alors que l'Afrique, c'est un continent avec plusieurs pays, avec plusieurs diversités. Donc c'est une Afrique diversifiée. J'ai été profondément marqué par cette prise de conscience, n'est-ce pas, de l'ensemble des participants à ce forum sur les véritables défis et enjeux des transports maritimes pour l'Afrique. Il faut plus d'intégration régionale, il faut plus d'initiatives communautaires, il faut plus d'initiatives au niveau de toute l'Afrique pour pouvoir faire l'intégration et accentuer le développement économique et social du continent. Ustedes sabrán que estamos corriendo algunos riesgos de que el Estado islamita está haciendo posición del mundo. Entonces, los países que vivimos en paz tenemos que tratar de coordinar, hacer unión para que no penetre en nuestros países que están en paz. Esa es mi opinión. Me parece que realmente es trascendente el hecho de que hayamos venido a Dakhla y en este escenario tan particular pudiéramos debatir con total libertad, con total pluralismo y una responsabilidad intelectual muy grande los grandes problemas que hay en el mundo y que de alguna manera afectan a la región.